Salut, c'est Kaliana et aujourd'hui nous ne sommes pas sur Destiny mais sur Dishonored, la mort de l'Outsider. Alors, est-ce que l'Outsider va vraiment mourir? C'est ce qu'on va voir. Le dernier combat, vous êtes à la recherche de Dode, votre mentor, que vous n'avez pas vu depuis 15 ans. Vous avez entendu parler d'un club de boxe clandestin aux mains d'Alparca, où l'usage de la magie noire et les charmes d'os est autorisé. Peut-être s'y trouvera-t-il. Je m'appelle Billy Lurk, mais peu de gens s'en souviennent. Pendant des années, je suis resté caché, à la tête d'un navire appelé le Dreadful Whale. J'étais une contrebandière, une receleuse, même une traîtresse d'après certains. Nos noms sont toujours éclipsés par nos actes. Si vous vous cachez suffisamment longtemps, tout le monde vous oublie. Puis vous vivez en solitaire, avec vos choix. Mais je n'ai jamais pu oublier l'homme qui m'a sorti du néant. Dode, la lame de Dunwall. Un nom murmuré par les accablés ou les mourants. L'assassin qui a tué une impératrice et en a sauvé une autre. La honte s'arrange de l'intérieur. Quand je l'ai trahi, elle m'a laissé vivre. J'ai quitté Dunwall, ainsi que mon nom. Je me suis longtemps demandé si je méritais le pardon. Je me trouvais pathétique. Vouloir le pardon d'un assassin. La pitié coupe parfois plus qu'une lame. Maintenant, je sais que pardonner est quelque chose qu'on fait pour soi-même et pour ceux qui vous blessent. Dode est à Karnaca. Et je vais le trouver. Toutes les nuits, le même cauchemar. Un combat de rue, mon bras tranché par terre. Mon œil arraché par une épée de la Grande Garde. Et quand je me réveille, il me faut encore mal pendant des heures. Horrible. Au moins, ce truc me réconforte. Tu l'as volé, n'est-ce pas, Derdre? C'est tout ce qui me reste de toi. Encore une relique du passé. Toujours affûté, au moins. Ce club de boxe au bain d'Albarca est ma dernière piste. Dode doit s'y trouver. Allez au bain d'Albarca. Donc on cherche Dode, le... un assassin. Oula. J'ai cherché pendant des mois. Je sais que tu n'es pas loin, Dode. Quelque part. Contrat. Vous pouvez consulter votre liste de contrats à tout moment dans le journal. Vous pouvez activer les marqueurs sur les cibles et obtenir des indices supplémentaires grâce aux descriptions. Si vous remplissez un contrat, vous obtiendrez une belle somme de pièces et parfois même un charme d'os. Espionnage industriel. Purification par le feu. Espionnage. Ah, d'accord. Cambrioler, espionner, faire les poches. Dode m'a appris bien plus que tu es. Et ça m'a permis de tenir. Jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tir voltaïque et tir électrique. Ok. On se désobèle. Marque de l'Outsider. Dode a la marque de l'Outsider sur sa main depuis que je le connais. J'ai enquêté à ce sujet dans tous les quartiers malfamés. Personne n'a jamais rien dit. Ce club est géré par une bande des aveuglés. Ils prétendent se battre avec de la magie noire. Si c'est vrai, d'autres pourraient être impliqués.
Je lis pas, vous mettez pause hein, pour. Karnaka est pleine de secrets. Les indices concernant d'autres, c'est parce qu'il m'a laissé les trouver. Tous deux nous, on avait peur de lui à l'époque. Pas moi. Cette station n'a pas servi depuis des années. Épicher de Dreadful n'a pas été facile, mais il est à l'abri pour l'instant. Bah. Non, saute. Voilà. Murmure des rats. Appuyez sur X pour écouter les pensées des rats. Ces petites créatures s'échangent des informations sur ce qu'elles voient dans les rues et les sous-sols. Leurs murmures sont souvent cryptiques, mais peuvent contenir des indices utiles. Que pouvez-vous me dire aujourd'hui, mes petits copains ? Non, pas juste... Non, on n'a pas le... Attendez, parce que... Non. Bon, laisse tomber les rats. Hein. Ah, attends. C'est quoi ça? Ah. Viens là. Viens là. Ok, les bains d'Albarkane ne devraient pas être loin. C'est pas comme avant, mais ça fait plaisir. Je me demande si d'autres les ont vus. Oui, c'est bon. Appuyez sur B pour activer le mode furtif et vous déplacer accroupi et sans bruit.
de soda à la poire. Oui, combat, ça je sais faire. Le capitaine veut qu'on découvre ce que font les aveuglés à Albarca. Je sais ce qu'ils font. Cet endroit pue la magie noire. T'as vu les gens qui y sont entrés? Si tu les cherches, tu trouveras des poches de pu partout dans ton poisson. Au mieux. Ah, toi et tes croyances. Arrête de gober toutes ces idioties. Ce n'est qu'un gang. Tu risques plus de te retrouver avec un poignard dans le dos que maudit. Si tu le dis. Ah, attendez, parce qu'il y a de la vibration dans ma manette là. Vibration, non. Voilà. Lieutenant, on m'a rapporté des activités illégales dans les vieux bains d'Albarca. Je suspecte le gang des aveuglés. Ce pourrait enfin être notre chance de nous occuper de ces dégénérés mangeurs de rats. Bien. J'aimerais que vous exploriez la zone avec votre équipe à la recherche de toute information que vous pourrez trouver. Mais ne prenez aucun risque. Le quartier du chantier naval nous enverra des renforts pour une descente d'un moment à l'autre. Capitaine Leggiano. Non, pas du tout. On peut monter. Charme d'os. Les charmes d'os procurent des avantages surnaturels qui améliorent vos pouvoirs ou vous confèrent de nouvelles capacités. Les charmes d'os noirs et corrompus sont aussi rares que puissants et offrent des traits exotiques. Mais les charmes d'os corrompus sont instables et possèdent également des traits négatifs. Localisez-les à l'aide de prescience pour les détecter à travers les murs ou achetez-les dans les boutiques clandestines. Par défaut, vous pouvez vous équiper d'un maximum de 5 charmes d'os à la fois dans le journal. Ça en prend. Ça pourrait n'être qu'un nom. Mais s'ils utilisent vraiment de la magie. Génie de Reaper. Alors. Non. Cocktail détenant. Les bouteilles explosives. Je suis sur le. On va mettre ça pour l'instant.
ça. Et ça, va falloir trouver la combinaison. Et là, c'est fermé. Alors, votre propre style. Si vous vous faites repérer, rien n'est perdu. Plusieurs options s'offrent à vous. Tuez tous les ennemis en combat. Ça c'est moi, ça c'est... Neutraliser les ennemis sans les tuer, fuyez et restez hors de vue jusqu'à ce que les ennemis cessent de vous chercher, utilisez les pouvoirs des gadgets des Russes pour vous extirper de la situation de manière créative. J'ai entendu quelques trucs à propos des aveuglés. C'était jamais bon. Chiens. Je suis revenu au point de départ. Sortent à toute heure. Mais c'est toi qui me pousse, hein. J'aurais pas dû manger ça. Je me sens pas bien. Voilà ce qui arrive quand on crève de faim la plupart du temps. Y a rien à ramasser. Hein. J'intégrerai les initiés. Je vous connais. Non, bien sûr, sûr que non. Hop. Ensuite. Hop. Je parierai mon dernier sou qu'on va encore avoir droit à de la mixture. Ces pseudo-spiritualistes ne sauront jamais ce que nous avons connu. On devrait peut-être les abandonner. Revenir à Brigmore. Et ça, ça revient au début. Encore une journée comme hier. Je crois que je vais tout laisser tomber. Je préfère encore hop. Grand vide. Ne me dites pas
J'ai perdu mon talisman. C'est pas moi. C'est fermé, parce que c'est privé, compris? Oui, j'ai compris, ça va. Mmh. Hop. Par les yeux d'un outsider, c'est Dode. Je dois vite le faire sortir. Où ça? Je m'attendais à eux. Regarde-toi, piégé comme un clébard dans un trou, attendant que ton maître te lance un charme d'os. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé le charme d'os à gagner dans un atelier à l'étage. Débrouillez-vous pour le voler. Mais un bon conseil, si vous ne pouvez pas vous charger de la brute sans l'aide d'un charme d'os, évitez de vous faire prendre, de vous en prendre à Jeannette, Lee et ses sbires. Hop. Ramasse. Hop. Convient bien au sortilège. C'est la brute. Tu apprends la brute de la magie noire. Pourquoi pas s'enduire de poisson et sauter dans un bord de mixine plutôt? Ça marche mal. Ouais. Oula. Comment vous préférez mourir? Ah putain. Ah bah je suis morte. Je suis rentrée là où il fallait pas. C'est Dode. Je dois vite le faire sortir d'ici. Je m'attendais à mieux. Regarde-toi. J'ai comme un clébard dans un trou, attendant que ton maître te lance un charme d'os. Ça me fera du bien. Roby, j'ai déposé l'argent des paris dans le coffre et j'ai caché la clé de ton appartement dans le seau près de la porte. Comme tu me l'as demandé, tu me dois 2 rats en bouteille cette fois. Il ira. PS, si tu as encore oublié la combinaison, sers-toi du livre qui se trouve au-dessus de ton bureau. Elle te reviendra peut-être. Ok, ok. J'en ai cogné des plus costauds quand je traînais dans Bottle Street. Et pour une récompense tu gagneras pas. La brute est plus véloce qu'il n'y paraît. C'est cool. Charme d'os. Moi, tu ne me toucheras même pas. Tant pis. Heureuse de t'avoir saigné. C'est bon. Ça. Là. Ensuite, ça,
c'est bloqué. Bon, on va aller ouvrir le coffre. L'air frais a fait des merveilles. C'est un problème comme ça. Dode a toujours gagné. C'est bien ce qu'elle a dit, sers-toi des bouquins. Au-dessus de son bureau pour la combinaison de son coffre. Le bureau là. Et là, il n'y a pas de bureau. Il n'y a rien. Ah ! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Alors. 4. 5. Voilà. Ouh. Tabatière, étui à cigarette, du pognon, du pognon. Et ça. Voilà. Alors. Voilà. On devrait peut-être les abandonner. L'heure viendra. J'intégrerai les initiés. Une fois dans la fosse, bouge vite et colle un crochet du gauche. Ça marche. Je ferai bien d'apporter les gagnères au coffre. Je croule sous les pièces. Je ne devrais pas trop porter comme ça. Ne pas toucher. Je ne sais pas comment cet engin fonctionne, mais il empêche la brute de sortir de l'arène et le garde sous contrôle. Profitez-en, mais faites attention. Une fois qu'il m'aura rapporté assez d'argent, les chefs voudront le voir. Nous avons eu de la chance de trouver un tel spécimen pour leurs études. Vous l'avez vu à l'œuvre, s'il s'échappe, il nous tuera tous. Alors n'éteignez pas ce dispositif. Jeannette Puy. Cette chose doit annuler les pouvoirs de Dode. Si je l'éteignais, rien ne pourrait l'arrêter. Faut trouver la clé. Je cours. Non. D'abord je crie, et ensuite je cours. Pour prévenir les autres. Je manquerai ça pour rien au monde. Faut que je monte. L'incantation fonctionnera peut-être avec un peu de boue venant de la rue. Nous
oiseau de proie, la chute assassine, restaure la santé. Oh, ok. Cette fois. Ce soir, on joue au dé. Je ne dis jamais que j'ai peur. Voilà, je l'ai dit. J'ai peur. D'accord. Il se passe quelque chose. J'ai connu un gamin qui disait que son charme d'os faisait rebondir les balles. Il s'est tiré dans le bide et il est mort le lendemain. Je ne sais pas ce que nous avons fait, mais nous avons fabriqué un charme d'os particulièrement puissant cette fois-ci. Jeannette l'a promis en récompense à quiconque battrait la brute, alors faites passer le mot. Agilité. Augmente la hauteur et la longueur de vos sauts. Ça. Il a presque plus de bras. Et après, je fais quoi ? Au chien si je peux pas suivre. Peste. Ah, il y a un rat dedans. Si je dois encore faire une séance d'anniversaire dans le manoir d'un aristocrate minaudant, je me jette du... Ah, ça c'est l'entrée. C'est forcément plus.
Janet, tu te souviens de toutes les pièces d'éclairage que nous avions trouvées près des chantiers navals? Je leur ai trouvé une utilité. Elles contiennent un mécanisme d'alimentation. J'ai retiré tous les fils enrouillés et avec le reste, j'ai bricolé de petits appareils à tir électrique avec lesquels on peut sonner quelqu'un au besoin. Je sais, je suis géniale. Certains s'en sont déjà servis pour chasser les rats des réserves, mais ça les raidit et ça abîme la viande. On ne peut même plus en faire de la liqueur. Mieux vaut utiliser les décharges sur de plus gros parasites, si tu vois ce que je veux dire. Une dernière chose, il faut surtout pas toucher ni lécher la pointe. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais Lassie l'a fait pour gagner un pari et elle est restée dans les pommes pendant 2 heures. Et elle a perdu ses sourcils. Quelqu'un les a rasés pendant qu'elle était inconsciente, mais je lui ai dit que c'était à cause du tir électrique. Léon. Ça descend. Stéphane, qu'est-ce que je t'avais dit? Nous avons bien fait de voler ces plans le mois dernier. Les pièces n'ont pas été faciles à obtenir, mais ces mines grappins se sont déjà avérées très utiles. J'ai attrapé un superviseur qui essayait d'entrer en douce. J'aurais payé cher pour voir sa tête sous son masque quand il s'est fait capturer. Mais il y a quelqu'un qui raconte des histoires à propos de l'abbaye de Quidam dans le quartier. Ces chasseurs de sorcières seront sans pitié s'ils découvrent ce que nous faisons ici. Nous allons devoir trouver lequel de nos voisins a la langue un peu trop pendue et voir s'il peut toujours moucharder sans et garder sa langue, elle pourra toujours servir. En attendant, je peux toujours lancer une pierre ou un rat à cet idiot de superviseur. Je ferai plus de mines grappins dès que possible. Arabella. On va prendre déjà celles qui sont là. On peut pas le ramasser. Ça. Oula. Alors. Voir un peu si tient électrique. Ah ouais, effectivement, ils aiment pas ça. Hein. Ouais, non, j'ai pas le temps de me soigner.
Bon. Pseudo-spiritualistes ne sauront jamais ce que nous avons. Quand suis-je censé aller attraper les rats pour la liqueur, si je suis ici à la préparer, hein? Vous y pensez à ça? Non, 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 non. Voilà. On sauvegarde. Voilà. On ouvre là. On ouvre là. Dans le manche. Manche. On se la chine là. Discrétion. Et là, ça va en bas. Oui, tout droit. J'ai pas la clé. Elles sont jalouses, c'est tout. Pourquoi je pourrais pas danser si j'en ai. C'est pour se planquer. 6 sur 5. Ça c'est fait. Pourtant récupérer une clé. Cette teinture de lavande convient bien au sortilège. Aussi s'en servir pour rincer. Le manoir d'un aristocrate minant, je me jette d'une falaise. À la peine de vous cacher. Entrez-vous. Prenez cet endroit comme ma poche. Ne dites pas que j'ai perdu mon talisman. Mmh.
J'ai peur. Il se passe quelque chose. Il faut que je fasse attention à envoyer Mohamed un couteau maintenant. J'ai pas assez de problèmes comme ça. Si c'était à déjeuner, moi je suis foutu de sang. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous êtes moche, vous le savez, ça? Les coups d'épée sont plus lents. On va le mettre quand même. On voit pas vraiment la différence. Clarisse, voilà ce que tu m'as demandé. Je n'ai pas eu de mal à les trouver. Après 6 ans en mer, j'espère au moins que tu sais que ce ne sont pas des vraies perles. Les myxines, les régurgites, lorsqu'elles ont mangé quelque chose d'indigeste. Si elles avalent un rat, au bout de 2 semaines, elles recrachent une poignée de petites bipales et pleines de petits os. Ou si elles avalent la tête d'un cadavre avec des dents en argent qui les alourdissent. Elles finissent toujours par les évacuer d'une manière ou d'une autre. C'est sûrement pour cela qu'elles sentent si mauvais. Elles deviennent dures en séchant et les enfants s'en servent avec leur fronde. Mais les pêcheurs disent qu'elles portent malheur. S'il en sort du gosier d'une médecine, c'est mauvais présage. Ta grand-mère les collectionnait. Elle s'en était fait un bracelet, et lorsqu'elle voulait porter malchance à quelqu'un, elle murmurait leur nom à son bracelet et le glissait dans leur poche. Ça marchait au moins 1 fois sur 2. Elles te serviront peut-être un jour, qui sait. Mais ne les mange pas. J'espère te revoir bientôt, tante Flora. Comment ? Ça, ça va en bas. Perle maudite. Projectile silencieux et non létal. Ça, c'est drôle comme arme. Oui. Regarde, je ferme la porte. Ah non, putain.
jamais à admettre que j'ai peur. Et voilà, je l'ai dit, j'ai peur. Seulement au spectre. Je me demande si c'est un club privé pour les aveuglés. Si je vois quelque chose, je C'est enrayé tout de suite. Trois fois. C'est large. Toujours. Taper l'os de baleine trois fois, pas deux. Qu'est-ce que je donnerais pour voir mes nouveaux chefs à genoux de renard? Ne savent rien. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Tu m'as dit que c'était pas le bon type, tu es. Ça a été dur de te trouver. Comment as-tu atterri là? Par là et ailleurs. Mais ça avait l'air plus de secret que tu n'imagines. J'ai un bateau. Où est-ce qu'il en reste? Le Dreadful Whale. Il mouille sous la station d'Acantila. Donc je... Garde tes questions pour plus tard, Billy. Sache juste que j'ai besoin de ton aide. Comme avant? Le passé, c'est le passé. Là... C'est plus important. D'accord. Qui est la cible? Le responsable de tout ça. Les sectes. La magie noire. La marque sur ma main. On va éliminer cette ordure une bonne fois pour toutes. Quoi? Tu veux tuer l'outsider? Tu veux tuer un dieu? Je le retrouve enfin et me rebassine déjà avec ses conneries de secte. Dodd s'expliquera sûrement au Dreadful Well. Bon, Dodd a tué tout le monde. Hein. Yeah. On sauvegarde, voilà.
Oula. Tu as terminé ce tour de garde et je pourrais rentrer. J'ai besoin de me détendre. Hein? Là-bas. Putain, y en a un là. C'est où ça? Bon, on descend. Salut. Bien. Comment il a volé? Voilà. Ah, j'ai raté un charme d'os et j'ai raté un tableau. La piste de l'encre. D'autres comptent tuer l'Outsider lui-même et il a besoin de votre aide. Lorsque j'ai vu Dodd pour la première fois, j'étais une gamine brisée. Il a
tranché la gorge de trois hommes sans faire de bruit. Le sang et la mort dans son sillage. Je ne sais pas ce que j'espérais quand je l'ai suivi, mais il a partagé son étrange magie avec moi. Et bien plus que ça, son talent, son temps, sa confiance, et parfois ses secrets. Mais il n'est plus l'homme qu'il était. Ses jours sont comptés, et ses blessures ne guériront pas. Ses regrets non plus. Je sais à quel point ça ronge à l'intérieur. Au moins, je l'ai retrouvé. Il veut que je rattrape sa vie de péché en tuant un dieu. L'abbaye nous enseigne que l'outsider s'en prend aux faibles, que le grand vide est la source de l'hérésie, que l'outsider est responsable de tous nos maux. Qui sait, ils ont peut-être raison. Le même rêve. Mon bras arraché. Mon orbite qui brûle. La douleur. J'espère que ce n'est pas un présage. Sur le grand vide, Millark. Il touche l'esprit des rêveurs comme celui-là. Et parfois, les rêves te rappellent ce que tu veux oublier. Je sais qui tu es. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu veux? Mais pas toi, dont je vais te rendre quelque chose que tu as perdu. Le monde a été blessé. Et tu en crois. Tu ne seras plus jamais la même. Je t'en laisse à cette heure. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Après tout ce temps, il a pris mon bras. Et mon visage. Est-ce à cause des rêves? Ou de d'autres? Bon, on va arrêter la vidéo ici. On a le droit à une petite visite de l'outsider. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Salut !